Bonjour à tous, c'est François. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire voir une deuxième façon de transférer vos photos de votre iPhone à votre Mac. Et tout ça sans iTunes, bien sûr. Donc, pour commencer, branchez votre iPhone donc, à votre Mac. Et c'est parti. Alors, pour ce faire, on va descendre donc, dans le dock, on va reprendre le Launchpad et on va aller dans Aperçu, qui est ici. Vous cliquez sur Aperçu. Vous allez juste à côté du menu Pomme, donc là où vous voyez Aperçu. Vous allez sur Fichier, Importer depuis iPhone de François. Alors là, oui, il faut que je déverrouille mon iPhone. Voilà, donc l'iPhone est déverrouillé. Ensuite, donc là, vous voyez toutes les photos qui sont sur votre iPhone. Vous choisissez celle que vous voulez ou vous importez tout. Dans un dossier comme celui-ci, par exemple. Sinon, ça va mettre la pagaille sur votre bureau. Voilà, donc nous, on va donc prendre la première et on va donc l'importer. Il me demande où. Alors moi, on va la mettre directement sur le bureau parce que j'en ai qu'une. Voilà, donc il l'ouvre. Alors, Aperçu vous ouvrira toutes les photos une par une au fur et à mesure qu'il les chargera dans le dossier que vous avez déterminé avant. Voilà, donc vous voyez que ma photo, elle est apparue ici. Donc tout s'est bien passé. Voilà, vous voyez que c'est assez simple et on n'est vraiment pas obligé de passer par iTunes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la transférer, à la partager, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt, c'était François, ciao!